Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé ce mardi une réunion périodique du Haut Conseil de sécurité. Après avoir écouté les interventions des membres du Haut Conseil de sécurité sur les questions inscrites à l'ordre du jour, le président de la République a examiné les mesures relatives à l'ouverture des frontières aériennes et les conditions devant être remplies par les voyageurs, avec le maintien des frontières terrestres fermées, sauf en cas de nécessité. Les mesures détaillées seront définies par décret exécutif. Le Haut Conseil de sécurité s'est également penché sur les actes hostiles et subversifs commis par les mouvements dits Rached et MAC pour déstabiliser le pays et attenter à la sécurité de l'Algérie. Le Conseil a décidé, dans ce cadre, de classer sur la liste des organisations terroristes et les traiter comme telles. Le Haut Conseil de sécurité a aussi abordé les derniers préparatifs des élections législatives du 12 juin prochain. Le président Tebboune s'est dit satisfait des efforts consentis par les institutions de l'État pour assurer le déroulement du rendez-vous électoral dans de bonnes conditions.